aujourd'hui, sur les grands ensembles, les locataires ne sont pas du tout sensibilisés à l'économie d'énergie. Nous voulons donc mettre en place justement l'accès à Internet pour pouvoir contrôler et modérer ces consommations d'énergie. Est-ce que tout le monde a réussi à aller sur le site du Toit Angevin? Ouais, c'est bon. Donc, quand vous êtes sur le site du Toit Angevin, vous avez différents menus. Donc, présentation, locataire, patrimoine, devenir locataire, économiser l'énergie, fournisseur, partenaire, salarié, contact. D'accord? Donc, nous, on va venir cliquer sur l'onglet économiser l'énergie. Les cours sont un élément très enrichissant. Néanmoins, le Toit Angevin veut donner la possibilité à leurs locataires d'accéder à leur consommation à tout moment. C'est pour ça qu'ils les équipent avec des ordinateurs et Internet. Nous sommes aussi sur la Roseraie, un quartier d'Angers qui comprend pour le Toit Angevin plus de 600 logements. Nous avons donc en effet un programme de vente d'ordinateurs neufs et d'occasion, des ordinateurs neufs pour 100 euros et des ordinateurs d'occasion de 60 euros pour les gens qui sont en plus grande difficulté. Ce projet est vraiment fait pour sensibiliser ces locataires de façon à ce qu'ils puissent contrôler eux-mêmes leur propre consommation et éviter justement les fuites d'eau, hein, et diminuer la facture. Donc là, en fait, j'arrive sur ce qui s'appelle un tableau de bord. On visualise les différentes consommations avec des couleurs. Vert quand les consommations sont bien, rouge quand on dépasse l'objectif qu'on s'est déjà fixé. Donc après, lorsque je vais sur une visualisation jour par jour du portage, j'ai un graphique qui me permet de voir mes consommations cumulées sur le mois et de visualiser grâce à une courbe comment je me situe. Est-ce que je suis en dépassement ou est-ce que je suis bien dans les consommations. On peut aussi voir les consommations non cumulées, ce qui est intéressant parce qu'en fait ça permet de comparer d'un jour à l'autre. Donc par exemple là je me dis hier j'ai pris un bain, et bien ça se voit, alors qu'avant-hier j'avais pris une douche. On voit vraiment très clairement le différentiel. On peut aussi se comparer par rapport aux résidents qui sont dans le même type de logement. Donc là on peut voir que je suis plutôt dans les économes. C'est intéressant aussi de pouvoir visualiser au niveau des consommations électriques. Par exemple, on peut comparer entre le jour où on était tout seul et le jour où on avait des invités, où on a fait pas mal tourner des appareils électriques. On voit vraiment clairement la différence et l'impact financier. Un élément qui est aussi assez pratique, moi je l'utilise assez, c'est en fait les alertes SMS. Quand on a un dépassement de ses objectifs, on reçoit un SMS qui nous dit attention sur l'eau chaude, dépassement. Moi j'utilise ce portail parce qu'en fait ça permet de faire des économies à la fois pour l'environnement mais aussi pour la facture à la fin du mois. Donc c'est vrai que ça permet de réduire les charges d'eau chaude, d'électricité, d'eau froide.